Ah voilà, c'est ça. GM, on va le mettre à 4, ça devrait être bon. Salut, Milasven. Tu me dis... Putain. Alors, je suis un peu enrhumé, donc je risque de tousser de temps en temps. Je suis désolé d'avance. Je vais essayer de pas trop tousser. J'espère que vous m'entendez déjà. Dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez ou pas par rapport au son du jeu. Voilà. Hop, moi. Oh là là, qu'est-ce qui me fait mal à la tête ce casque. Oh, ça me tue. Voilà. Alors attends, pour lancer le mode d'histoire, c'est ça. Je vais dire bonjour après. C'est juste que ça fait très longtemps que j'ai pas joué et je m'en rappelle plus trop des menus. Merde, je crois que c'est reprendre l'histoire. Ouais, je t'entends, bah c'est parfait. Ah merde, c'est reprise. Bah non, 7-7, c'est une nouvelle histoire. Ok. Donc c'est bon, ça marche. C'est bien le bon menu. Et j'ai toujours oublié d'acheter la caméra pour la PS4. Du coup, je suis en train de pointer du doigt le Kinect, mais ça sert strictement à rien. Salut à tous et à tous et bienvenue pour cette découverte de Natsuhiro High School. Plus un vieux sous-titre en japonais à rallonge que j'oublie tout le temps d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que s'agit-il? Il s'agit d'un dating sim-like, un sim date, un jeu de dating sim. Je sais pas comment ils appellent ça les japonais exactement, il y a un terme particulier. En gros, c'est une simulation, non pas de drague, c'est souvent traduit en français de manière totalement débile en tant que simulation de drague. Ce n'est pas une simulation de drague, c'est une simulation de vie. C'est tout simplement une simulation de vie, la plupart du temps lycéenne. Avec, par contre, c'est pour moi que moi j'ai le stream a besoin de charger par moment. Par contre, ça lag pour moi. Ah, ça lag peut-être pour. Ah, c'est peut-être moi qui déconne. Oui, ça reprend un gros souci de. Comme par hasard. Donc, je disais, je ferai peut-être un montage sur YouTube quand je le mettrai le truc en haute qualité. Il s'agit d'un jeu de drague. Non, c'est justement, c'est ce que je disais. Il s'agit pas d'un jeu de drague, il s'agit d'un jeu de simulation lycée, de vie lycéenne. Comment on valide? Ah non, c'est là, c'est vrai. Voilà. Il s'agit d'un jeu de simulation lycéenne. En fait, il se passe qu'on arrive sur une île en tant que peu de jeunes lycéens qui a déménagé, et puis on va faire sa petite vie, se faire des amis, se faire aussi des amourettes, parce qu'on pourra aussi draguer du personnel. Du personnel, des collègues, amis, filles. Et ce qui est intéressant, bon, par contre, c'est chiant, c'est tout en japonais. J'adore ce genre de jeu. Je surkiffe ce genre de jeu. Mais il y a trop de jeux qui ne sont jamais traduits, et c'est vraiment dégueulasse. Et celui-là, il est pas prêt d'arriver en France. Et pourtant, vous allez voir pourquoi il est magnifique, ce Natsuhiro High School. Tout simplement parce que... salut Bibolo. Tout simplement parce qu'il y a un système de monde ouvert qui est vachement bien foutu. Il y a aussi... sur Google, on peut très rapidement trouver un guide tout en japonais, mais avec Google Trad, c'est relativement compréhensible parce qu'en fait, le jeu est scindé en jours. En gros, le jeu se passe sur 90 jours. Quelque chose comme ça, je crois qu'il se passe sur 90 jours et donc chaque jour dans le guide en japonais, même en Google Trad, c'est sous forme de petits tirés, on a tous les événements à quel endroit et à quelle heure, parce qu'il y a un système d'horaire aussi. Donc on sait quoi faire à peu près pour débloquer les événements, avancer dans des idylles amoureuses ou tout simplement se faire des amis avec les gens ou... et avancer dans les quêtes. Et il est très intéressant parce que justement à cause du monde ouvert. Graphiquement il est très fun, moi j'ai réussi à sortir avec elle. J'ai fait le jeu deux fois. Ouais, j'ai fait le jeu deux fois à peu près. Et puis après, j'ai fait une troisième partie où j'ai fait un peu le con, un peu dans tous les sens, pour voir à peu près qu'est-ce que j'arrivais à déclencher. Et on rejoint en fait un club de photos. Donc elles font partie d'un club de photos de journalisme. Et donc elles nous donnent des missions de couverture photographique de divers événements. Et nous, justement, on est passionnés de photographie. Merde, j'ai répondu n'importe quoi. Je crois que c'est celui du bas normalement qu'il faut répondre. Et vous allez voir, dès qu'on passe ce putain de premier dialogue qui est vachement long. Donc ce jeu a défrayé la chronique en Europe, en Occident, sous prétexte que c'est le jeu stéréotypé japonais. Voilà. Il a défrayé la chronique en Occident tout simplement parce qu'il y a des images où ouais, le jeu de dating sim ultra pervers où les filles peuvent s'accoupler avec des chiens.
on peut faire des partouzes dans les toilettes, alors que c'est totalement faux. Tout le monde a relayé l'info, alors que c'est strictement totalement faux. Mais tout le monde a relayé l'info pour faire un peu du putaclic, et Gameblog là-dessus ne s'en est pas privé. Et pas que Gameblog, énormément, énormément, énormément de jeux ne s'en sont pas privés. Et ça, c'est dégueu. Alors que le jeu est ultra prude, hein. C'est limite, on peut faire un béco à la sortie d'un cinéma ou un anniversaire, mais genre, c'est vraiment le gros maximum qu'on peut faire. Alors que je me rappelle alors déjà, c'est beau, la musique est sublime, une musique typique japonaise hyper sympa qui passe partout, et que je me rappelle les boutons. Alors X est sauté, carré, donc c'est la glissade. Comment on passe déjà en mode photo? Non, ça c'est mon portable. Voilà, c'est ça le mode photo. Et la musique est géniale. Et donc en fait, bon bah on est dans un lycée en monde ouvert. Allez, on peut parler à tout le monde. Donc en fait, voilà, alors si je suis sur place ici. Mais non, comment on s'accroupit déjà, bordel? Non, c'est pas ça, faut juste que je me rappienne. Akiba Trip en moins prude, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu dans le même genre. Comment ça. Mais comment tu t'accroupis, bordel de nouilles? Monsieur voudrait s'accroupir. Ah voilà, c'est ça, putain. Voilà, donc on peut s'accroupir. Il faut savoir que. Voilà. Il faut savoir que les gens n'aiment pas qu'on s'accroupisse. Si on s'accroupit et qu'on marche accroupi, les gens trouvent ça bizarre. On peut s'accroupir, on peut s'allonger. Alors, s'allonger. Voilà. Forcément, les filles. Merde. Dégage de là! Voilà. Les filles, comment dire? S'inquiète forcément, elles sont en mini-jupe. Si on s'allonge à côté d'elles, ça le fait pas trop. Donc, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est on court et on glisse. Et le truc qui se passe, c'est qu'on a une espèce de QT de comment on appelle ça? De mode Matrix. Quand on est en mode photo, voilà, en mode photo, on glisse, on passe en mode Matrix, et là, merde, et c'est quoi pour shooter déjà? Alors, attends, c'est quoi le shoot? C'est R1. Donc, on va en retenter une. En glissade. Voilà, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Là je crois que je suis pas mal. On va aller check les photos. Alors pour check les photos, putain, c'est quoi déjà? Pour check les photos. Non, c'est pas la glissade. Oh putain. Eh, je l'ai fini 3 fois et je me rappelle plus des boutons. Non mais c'est violent quand même. Ça c'est pour les textos. Ah non, non, c'est vrai. C'est pas un appareil numérique. Il peut check les photos seulement à la fin de la journée. C'est à la fin de la journée qu'on check les photos. Donc. Voilà, on peut marcher, il faut marcher d'ailleurs. Si on les bouscule, on augmente notre jauge d'alerte, on va dire. Notre jauge de badassitude. On... Si la jauge est pleine, on est convoqué chez le directeur et il nous engueule déjà dans un premier temps. Et après, il peut carrément nous mettre une mise à pied. C'est-à-dire qu'il nous vire de l'école pendant 2-3 jours. Et donc, ce n'est pas bien. Mais voilà, c'est génial parce qu'on peut vraiment. Vraiment parler à tout le monde, on a vraiment un bon petit monde ouvert. Là par exemple Ah ça va, elle s'inquiète pas si je suis tant que je suis pas allongé ça va. Tant que je suis pas allongé ça va. Par contre si je m'allonge, c'est direct, elle s'énerve direct. Attends, on va tenter un. On va tenter un. Non, pousse-toi toi. Un truc. Ah mais non, je suis mal parti. Je suis presque en alerte totale. On va se barrer parce que je l'ai taclé aussi. C'est pas bon, c'est pas bon. Ah que bonsoir, Ecodream. Assassin's Creed Photography. C'est à peu près l'idée. Ah, il est déjà l'heure. Il est déjà l'heure où les gens commencent à partir de l'école. On va passer vite fait au jeu. Ah, lui, il avait une quête. Ah oui, mais non, lui, il a une quête préfète. C'est ton premier copain. Et il te demande en fait de quitter l'école. Et d'aller à la gare. De l'accompagner jusqu'à la gare. Non, on s'en fout. Ah, excuse. Ah, non. Voilà, il est pas content parce que voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut rater ses quêtes forcément. C'est quoi le but du jeu? Prendre des photos sous les jupes des filles? Non, ça c'est le plaisir du jeu. Le but du jeu, c'est de vivre 90 jours dans le lycée, de prendre part à la vie du lycée. C'est-à-dire en tant que photographe pour le club de journalistes de journal du lycée et de se faire des amis et trucs, des trucs comme ça. Voilà, c'est le gymnase. Elles vont jamais chez elles. Les filles du gymnase, elles vont jamais chez elles. On va finaliser cette première journée, on va aller directement à la deuxième journée où j'ai un peu plus de liberté.
C'est un remake de Yandere Simulator. Non, Yandere Simulator, c'est vraiment un truc de taré. Là, c'est vraiment prude et ultra bien. Ultra, on va dire. Comment dire? Comment on peut dire, mon cœur? Ultra pas pervers, voilà. Sauf si on peut prendre des photos où on veut. Mais voilà. Une fois l'histoire finie, tu as un mode bac à sable. Voilà, une fois l'histoire finie, on a un mode bac à sable, et c'est ce mode bac à sable qui est un peu dégénéré en fait. Le mode bac à sable, on peut aller dans le mode bac à sable, et à n'importe quel moment, on peut faire pause et placer les personnages comme on souhaite. C'est-à-dire, on fait pause, et puis on place une fille dans ce coin de la rue, un chien ici. Et c'est dans ce mode bac à sable justement qu'ils ont créé des partouzes géantes et des filles qui se faisaient prendre par des chiens pour pouvoir faire des photos. Donc c'est pas le but du jeu, mais on peut s'amuser avec le jeu. Donc là, on va aller finir la première journée, et après je vais vous montrer un peu la taille de l'île. Et puis il y a le café de Rave. Après, quand on aime bien faire de la photo, on peut faire vraiment des jolies petites photos. Là, comment on zoome déjà? Alors, on va se passer en 105 mm. Alors, toujours se mettre un peu à la hauteur du truc. Il y avait aussi... Comment on fait déjà? Mais non, je veux pas te parler. Il y avait aussi... pour pivoter, je me rappelle plus comment c'est. Ok, mais c'est pas mal. C'est un sim amélioré. Merde. C'est un sim amélioré en gros. C'est. C'est l'idée. Tu peux me donner un verre d'eau, mon cœur. Ou une bouteille d'eau, n'importe. Attends, oui, c'est par là. Alors là, forcément, il est déjà pas mal tard, donc il n'y a plus beaucoup de personnes. Ah, si, quand même. Beaucoup de personnes dans la ville. L'île est relativement grande. On va faire un tour de toute l'île. Vous allez voir à peu près tout le bazar. La première journée, si on suit tout, c'est un gros tuto. Donc en fait, faut la dégager rapidement la première journée. Donc là, j'ai. Alors, ce qui se passe aussi, qui est très intéressant, c'est que pendant la fin de la journée, on peut recevoir des mails. Donc ça, c'est les photos que j'ai prises. Et on peut décider de les garder ou de pas les garder. Voilà, celle-là elle est pas terrible. Celle-là elle est un peu mieux. Celle-là elle est pas terrible. Vous voyez, et juste en changeant l'angle, en se baissant et en la mettant sur une ligne de force au troisième tiers, la photo est beaucoup plus intéressante. Alors pour la marquer, c'est I, c'est triangle. Non, c'est si. Ouais, c'est ça. Donc voilà, celle-là et celle-là, je décide en gros de les garder. Et je fais triangle, c'est tout sélectionné. Merde. Celle-là et celle-là et c'est carré. Et je les sauvegarde. Voilà, elles sont sauvegardées. On ira voir mon album photo plus tard. Les autres. Allez, sors de là. Voilà. Et j'ai oublié de regarder mes mails. Il est très important de lire ses mails. Chaque jour, on reçoit des mails en fonction de ce qu'on a. Et pendant les chargements, le jeu charge les photos qu'on a prises dans la journée. Ou dans les journées précédentes. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? On peut aller pas dans les toilettes des filles. On peut même pas aller dans les toilettes des filles, pour vous dire. On peut pisser pour... quand on pisse, en fait, ça fait passer le temps. Parce que des fois, on a une quête qui est en fin d'après-midi. Et là, on est au petit matin. Ça évite de pouvoir rentrer. Et bouteille d'eau. Putain, je suis. Ça va être dur là par Game Week. Pour ceux qui sont là, pour le chat, il faut absolument que je guérisse pour la Paris Game Week parce que j'y vais le jeudi à la Paris Game Week. Il y a un tournoi trial et il y a de grandes chances que je vais commenter sur le tournoi. Je serai sur la scène. Pour commenter la finale du tournoi sur Trial Fusion à la Paris Game Week le 29 octobre. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à passer. On va faire un petit tour en ville et puis après on va faire le tour de l'île. Elle est pas si grande l'île, donc on va pouvoir faire tranquillement un petit tour. Tap ! Il y avait un truc intéressant, on va descendre du vélo. Attends, on va zoomer un peu. Voilà. On va cadrer ça bien. Manière esthétique. Pas mal. Non, le mur, je m'en fous un peu.
Heureusement que ce jeu n'est pas sur PC, pas les mods qu'il y aurait. T'inquiète pas, ils savent faire des DLC aussi sur PS4. Donc la ville, il y a un petit quartier résidentiel, il y a une petite crèche, des fois il y a des petits bambins, c'est pour faire des bonnes photos, c'est assez agréable. Il y a une rue commerçante, un petit côté resto, et c'est à peu près tout. C'est relativement petit, hein, c'est pas non plus... Mais c'est agréable. C'est le premier dating sim avec un monde ouvert relativement bien foutu, je trouve. Sachant que le samedi et le dimanche... Ouais. Oui, mais non, là, c'est un cul-de-sac. Sachant que le samedi et dimanche, il n'y a pas école, donc on rencontre pas mal de lycéens dans la ville. Avec des pique-niques aux abords de la ville et tout ça. Voilà ce que serait Persona sans les donjons. C'est pas faux. Par contre, il devrait avoir un mode turbo, quand même. Sur le vélo. C'est un mode sprint. Comment on affiche la carte, déjà? Comment on affiche la carte? Alors la carte, comment on affiche la carte? Peut-être dans son téléphone. C'est pour les messages, pour les mails. Donc on peut répondre aux mails. Hein. Pas tous les mails, on peut répondre à certains mails. Ça c'est pour les musiques. Comment on affiche cette putain de carte? C'est quoi déjà le bouton? Je sais qu'il y a une carte. Ou alors c'est à partir d'un moment... ou alors on récupère la carte à un endroit, je crois. Je crois que c'est une des nanas... Mais non. C'est une des nanas, je crois, qui nous file une carte. Bon, de toute façon, elle est pas spécialement grande. Mais bon, on va faire le tour vite fait. On va faire le tour, puis de toute façon, on va se quitter là-dessus. Et je vais vous présenter un autre jeu japonais. Qui est Galgun. Qui est un de mes jeux japonais favoris. Sûrement. Et une très bonne nouvelle, enfin normalement une très bonne nouvelle, il y a des rumeurs comme quoi ils auraient signé avec un éditeur occidental, donc il y a de fortes chances que le jeu sorte en Occident, en anglais, peut-être pas en français, mais déjà en anglais, ce qui serait pas mal, hein, parce que pour finir Galgun à 100%, si on comprend rien, c'est chiant, puis bon, c'est toujours plus agréable de comprendre. Mais voilà, c'est vraiment chouette, voilà, graphiquement c'est chouette, si vous avez l'occasion de passer dessus, voilà, mais... Faut faire pression, faut vraiment faire. Faut vraiment faire pression pour avoir ce genre de jeu en Occident, quoi. Je comprends pas qu'ils sortent pas ce genre de jeu chez nous. Genre ça marcherait pas, mais bien sûr que ça marcherait, il y a plein de gens qui seraient intéressés par ce genre de jeu, quoi. Surtout qu'il y a plein de fans de manga et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Ma femme est d'accord. Il y a un. C'est vraiment quand je parle que ça me donne envie de tousser. Pour la Paris Game, il va falloir vraiment que je me soigne un maximum. Parce que t'imagines, je commente le truc et je tousse à chaque fois. Super la prestation, super l'image que je vais donner à tout le monde en disant mais c'est qui ce cancéreux là sur la scène? Ils auraient pas pu prendre un Squeezie, un Cyprien. Ah ça va être un truc de dingue. Le stress va m'envahir, ça va être un truc de dingue. De toute façon, quand je vais changer de jeu, je vais aller prendre mon sirop. Et je vais me faire le nez. Il y a des fantômes. J'ai fait une mission, on se rencontre avec 2-3 lycéens en pleine nuit, en fait, et il y a des fantômes à photographier. Enfin, à voir. J'ai pas eu l'occasion de les photographier, mais à voir. J'ai oublié que ce côté de l'île, c'était juste un couloir à la con. Là, on est au mois d'août, donc c'est août. C'est ça, hein? Juillet, août. Ouais, c'est juillet, août, septembre, là. Et au mois d'août, il y a plein de choses sur la plage qui se passent. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça va, c'est pas niveau simulation physique du vélo, ça va, c'est pas spécialement ouf. On va aller prendre 2-3 culottes après, et puis on se quittera là-dessus pour ce jeu. C'est vraiment une présentation ultra rapide que je tenais à faire.
Et surtout pour dire que non, ce n'est pas le jeu pervers que tout le monde s'est fait la news à clic à deux balles, et que le jeu est très 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 sympatoche. Si vous connaissez le japonais, le jeu est superbe. Si vous connaissez pas le japonais, que ça vous dérange pas le japonais, le jeu est sympa. Et sinon, bah, évitez de l'acheter, hein, ça serait une perte de temps pour vous. Bon, je reviens, je fais une pause. Après 8 heures de création sur Trial, j'ai grave faim à tout. Eh bah dis donc, t'as la foi. Bah tu seras de retour pour Galgun. Elle est assez grande l'île, hein. Elle est assez grande l'île quand même. Heureusement qu'il y a le vélo. Parce qu'à pied, c'est tombé. Salut mon psycho d'amour. Je suis bâti comme une armoire, t'as vu? Et Galgun, je pense qu'il vous plaira. J'espère que je pourrai le streamer, parce que j'ai eu un problème d'enregistrement sur Galgun, donc j'espère que je vais pouvoir le streamer. J'ai l'impression qu'il y a un DHCP dans le jeu, ce qui serait vraiment ridiculement débilhomme. Eh bah putain, il est grande l'île quand même. Je pense pas qu'elle était aussi grande, dis donc. Parce que là, on est dans un petit village. Il y a un petit village là, avec un petit vieux assis là. Je sais plus ce qu'il nous dit. Nanya. Voilà, il nous dit Nanya. Les Japonais ils disent souvent Nanya en fait. Hello. Un portrait, Mister? Je vous croque le portrait? Je me mets bien. Allez. Allez, voilà. Non! Ah, ça me tue quand ça m'arrive et que je me trompe de bouton. Je cadre pendant une heure et je me trompe de bouton. Par contre, c'est trop sensible. Ils auraient pu, quand on était en mode photographe, ralentir le mouvement. Oui, Axenox. Oui, c'est ça, Axenox. Salut Christophe! T'as fait un peu Sugar Ray. Truc bête, tes photos ne peuvent être qu'en paysage. Oui, c'est un peu con-con. C'est un peu con-con. Il manque plein de choses. On peut régler sa photo, mais la photo n'est pas. Voilà, ça reste basique. On peut zoomer. Il y a même pas d'effet de profondeur, c'est débile. C'est comme Dead or Alive en fait, c'est quasiment le même système de photos que dans Dead or Alive. Un jeu qui embarque un truc de photo, c'est minimum le système de photo de Forza. Le système le plus abouti en photographie que j'ai vu dans un jeu vidéo, ce sont les Forza. Forza Horizon et Forza Motorsport. C'est un régal de prendre des photos avec leur truc. Un régal. Oh mon dieu, il a bien prononcé mon nom pour une fois que quelqu'un me lit. Là, il y a des. Il y a un petit parc et je crois qu'on l'a passé, mais il y a des vaches à un moment. Ça me fait un peu penser au Ranch Lonlon. Pour YouTube, je ferai les coupures. De toute façon, à chaque fois, je dis je ferai les coupures et en fait, j'ai la flemme et je fais pas les coupures. De toute façon, pour les 50 personnes qui regardent. Allez, ça y est, on arrive. On va aller se prendre 2-3 lycéennes. Et puis on va passer à Galgun. J'aime bien par contre la roue du vélo. Tu vois, je vais trop vite et du coup on a l'impression qu'il tourne dans l'autre sens. Petit souci du détail assez agréable. Et puis on va repasser à pied parce que la musique à pied est quand même plus fun. Ah ben non, c'est la même. Pourquoi il me... Ah, c'est la même. Ou alors chaque jour il y a une OST différente, je m'en rappelle plus. Ah non, c'est celle de l'école, c'est l'OST de l'école. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? Attends. Bonjour, elles sont dans l'ombre, c'est un peu chiant. On va essayer d'aller dans une classe. On peut pas aller dans les toilettes. Et ça c'est vraiment dommage. Ça c'est vraiment, 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 vraiment dommage. Alors, forcément, c'est un jeu japonais, alors niveau maniabilité, c'est pas terrible, terrible. Bonnes vacances, tu vas où toi? Je vais pas en vacances, je travaille, je suis plus à l'école, et quand on est à l'école, les vacances, on ne connaît plus trop. Ah, je suis trop loin, je suis trop loin, je suis trop loin.
Ouais, je l'ai eu. Ouais. Vite, vite, on se relève. Coucou. Allez, je vais me faire engueuler par les profs. Allez, je vais me faire convoquer, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a quelque chose. Vite. Ouais, je l'ai eu avant de me faire convoquer. Wouhou. Il est génial ce jeu, non? Mais qu'est-ce que t'as fait? Tiro. Donc là, on peut être gentil, méchant ou rien dire, en fait. Et on peut se faire exclure de l'école si on est trop insubordiné. Ah bah voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Insubordiné. Ok. On se quitte là-dessus et on se retrouve pour Galgun. Le temps de changer de jeu, d'aller boire mon sirop et j'arrive dans quelques minutes.